Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h. Un seul titre au sommaire. Un compromis entre le gouvernement de la République et les professeurs a été trouvé. Ce, après des pourparlers avec le Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les professeurs ont enfin accepté de suspendre la grève au grand bonheur des étudiants. D'abord, ces décrets, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a signé le 1er mars 2022 plutôt un décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration du Congo et les partenaires privés, APCSC en sigle, le nouveau décret signé abroge en même temps le décret du 26 août 2008 portant création, organisation et fonctionnement du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais en sigle BCPSC que pilotait Moïse Kanga et le remplace par l'APCSC. L'APCSC est chargé de pilotage, de coordination, de la gestion et de suivi et de la mise en œuvre des conventions de collaboration et de coopération signées entre le gouvernement de la République et les partenaires privés, spécialement dans le domaine des infrastructures de base et des ressources naturelles. Elle joue à cet effet le rôle d'interface entre différentes parties et entités intéressées par les projets issus des accords de collaboration et de coopération en matière d'infrastructures de base et des ressources naturelles. L'APSC est donc un établissement public à caractère administratif et financier. Elle est régie par la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2018 portant dispositions applicables aux établissements publics par la loi du 11 février portant régime fiscal douanier, parafiscal des recettes non fiscales et de change applicable aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. L'APCSC comprend trois structures organiques, à savoir le conseil d'administration, la direction générale, le collège commissariat aux comptes. Ici est de souligner que le ministre d'État qui a les infrastructures et travaux publics dans ses attributions est chargé de la mise en application de ce décret fait à Kinshasa le 1er mars 2022. Jean-Michel Samalou Kondé et Gisaro Mouvoui Alexis, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une importante séance de travail sur les préparatifs du match de barrage Coupe du Monde Qatar 2022 qui va se jouer le 25 mars prochain. Tous les batteries sont mis en marche pour la qualification des Léopards. Pour ce faire, une délégation composée des membres de la FECOFA et du secrétariat général du ministère des Sports ont été reçues par le chef du gouvernement, Patty Tondwango, pour le reportage. 48 ans après, l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo s'apprête à participer à la Coupe du Monde. Et son ticket pour Qatar 2022 se trouve dans sa qualification du match barrage qu'elle va jouer contre le Maroc le 25 mars 2022 à Kinshasa et le 29 du même mois à Casablanca. Du côté du gouvernement congolais, tous les moyens sont mis en place pour arracher cette qualification. En tant que chef de l'exécutif national et ancien ministre des Sports, le Premier ministre tient à suivre de près les détails des préparatifs. Jean-Michel Samalou Kondé Kingé a eu une séance de travail avec l'organe technique de la Fédération congolaise de football et association, le comité olympique, le secrétariat général du ministère des Sports avec à sa tête le ministre Serge Kondé, le ministre du Budget Aimé Bogi et la vice-ministre des Finances. Pour le ministre Serge Kondé, rien ne manque au 11 national de la République démocratique du Congo pour arracher la victoire face au Lion d'Atlas du Maroc. Le Premier ministre nous a réunis, c'est une première réunion, on aura encore à se rencontrer pour l'évaluation. Le Premier ministre a préféré que ça se passe au début du mois de mars. Nous avons discuté de tout ce qui concerne la préparation, la mobilisation, ainsi que la mise en place de tous les moyens pour que notre équipe nationale ne se plaigne de rien, pour que nos athlètes soient psychologiquement très bien préparés et que nous livrions ce match et avoir notre qualification et aller à la Coupe du Monde. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis tous les moyens en place.
le chef de l'État lui-même a pris tout en charge. Et pendant que je vous parle, pour ce qui concerne l'organisation, il n'y a rien qui manque. Nous demandons juste à tous les Congolais de supporter de leur équipe nationale, que tous les Congolais soient derrière les Léopards, que tous les Congolais se mobilisent, parce que c'est un match historique que leur équipe va livrer. Donc c'est une histoire de tout le monde, c'est une histoire de toute la République. La 22e édition de la Coupe du monde de football Qatar 2022 va se jouer du 21 novembre au 18 décembre 2022. Sachez aussi que Jean-Michel Samalou Koundé a présidé aussi la réunion du comité de conjoncture économique avec les ministres sectoriels. Hormis la stabilité du cadre macroéconomique, il a été noté la décision du Conseil des ministres sur la fin du prélèvement de la taxe RAM. Je l'ai dit en titre, le gouvernement a répondu favorablement aux revendications des professeurs. L'annonce a été faite par le réseau des associations, des enseignants, des universités et l'institut supérieur officiel de la RDC, ce après la rencontre entre le Premier ministre et le Rapuko, qui a finalement accepté de suspendre la grève. Edith Chala. Enfin, le bout du tunnel pour les étudiants des universités officielles de la RDC. Un compromis a été trouvé entre les RAPUCO et le gouvernement. À l'issue de la rencontre d'évaluation entre le RAPUCO et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, un compromis a été trouvé. Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de répondre favorablement aux revendications des professeurs et le RAPUCO a accepté le principe de la suspension de la grève. Le communiqué final est attendu pour sceller cette entente et permettre aux milliers d'étudiants sur l'ensemble du territoire national de reprendre le chemin des auditoires. À la Chambre basse du Parlement, une loi est en perspective vers la prochaine séance, la prochaine session plutôt de mars 2022. L'objectif est de renforcer la sécurité alimentaire en RDC. Il s'agit de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage. L'auteur de ce projet de loi, c'est la députée nationale Annie Mobunza. Elle a été reçue par le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Colette Tchumba. Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot pour le reportage. En lieu et place du speaker de la Chambre basse du Parlement et en sa qualité du membre du bureau, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Colette Tchumba, a pris acte du plaidoyer du député national Annie Mobunza, élu de Boudjala dans la province du Sud-Ubangi, pour la soumission au débat de sa proposition de loi à la session de mars 2022. La matière porte sur les principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo. Quels sont les avantages qui découlent de ces textes? Selon les statistiques, la RDC est un pays dont beaucoup de citoyens souffrent de la malnutrition. Donc aujourd'hui, si on prend l'agriculture, et l'élevage et la pêche tous ensemble pour que finalement nous luttions contre ces phénomènes-là de la famine dans notre pays, en tout cas ça va être un pas de plus dans le développement sur l'ensemble de notre pays. Madame le rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, Colette Tchumba, a pris l'engagement de baliser la voie pour une rencontre avec le président Christophe Mboso-Kodiapwanga, à qui la délégation voudrait rappeler l'utilité de cette loi qui a subi la procédure parlementaire. Promouvoir l'économie numérique à travers des mesures fiscales et réglementaires, c'est le thème de la table ronde qui s'est tenue à Barcelone en Espagne. La RDC a été représentée par le ministre du numérique Eberhard Kolongile. Un reportage de Patience Mboyo rendu par Chimène Dondo. Le ministre congolais du numérique, Eberhard Kolongile, a pris part ce mercredi 2 mars à la table ronde qui se tient à Barcelone en Espagne sous le thème « Promouvoir l'économie numérique à travers de mesures fiscales et réglementaires » au Mobile World Congress. D'après les informations relayées par le ministre du numérique, Eberhard, travaille pour harmoniser le niveau de fiscalité dans le secteur du numérique en République démocratique du Congo avec le standard sous-régionaux et internationaux dans le cadre de l'amélioration du climat d'affaires. Aujourd'hui, pour nous, c'est
une garantie très, très fondamentale pour les investisseurs que d'avoir un cadre juridique. Je parle du numérique, je ne parle pas de télécom parce que déjà chez les télécoms, nous avons fait quelques avancées assez significatives avec l'aide de la Banque mondiale. Mais je parle sur les statuts du numérique, c'est-à-dire sur tout ce qui est en rapport avec les données, avec la création, la sauvegarde, les échanges, l'interopérabilité, n'est-ce pas, des données. Et par rapport à toutes ces questions, en l'absence d'un cadre juridique. C'est dans cette perspective que le ministre du Numérique a travaillé sur le projet loi portant code de numérique, loi qui fera objet de matière à traiter par l'Assemblée nationale lors de la prochaine session parlementaire. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboyen-Kachama, a regagné la province de l'Ituri, ce après une consultation auprès de la haute hiérarchie. Un accueil chaleureux lui a été réservé à son retour. Regardez. Après une mission de service à Kinshasa, le gouverneur militaire de l'Ituri regagne sa province. L'air est à l'unité, à la cohésion et à faire bloc derrière les forces armées pour imposer une fois pour toutes la paix en province de l'Ituri en neutralisant les groupes armés, exhorte le lieutenant général Luboyen-Kachama Johnny au cours d'une conférence de presse animée à l'esplanade du gouvernorat. Ça fait 18 ans qu'il y a le désordre ici. Laissez un peu de temps. Je vous avais dit, on va monter en puissance petit à petit, et on y va petit à petit, pas par pas, mais on va y arriver. Et ces gens-là, je vous assure, ces gens-là, ils vont y descendre, ça va finir. Avec ou sans moi, ça va finir. Et ça, je vous le jure. Des opérations de traque de groupes armés vont s'intensifier, rassurés par la même occasion. Le lieutenant général Luboyen-Kachama Johnny, à cela s'ajoute la réalisation de nombreux projets de développement à l'Ituri, a-t-il annoncé. Pour sa part, la population réaffirme son soutien indéfectible au gouverneur de province pour la réussite de sa mission, celle d'imposer une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Si ce va Ituré, et ça vous venez à Tikala. Pour y aller, moto avec Simbogate, Banamboga, 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 Banamboga. Tozo Zela Kimia, Tozo vraiment impatient, Abiso, Bana Ituré, ma politique, Wana, Batika, manipulation, Bamba, Bamba, Wana, et ça fait avancer Proveste. Une conférence de presse animée quelques heures après son arrivée à Bounia, où un accueil digne de son rang lui a été réservé par la population de l'Ituri, ravie de voir le gouverneur militaire revenir dans son entité pour mener à bien la mission de neutralisation des groupes armés lui confiée par le commandant suprême de forces armées, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans la province du Kasaï central, la voie ferrée qui mène vers Ilebo est menacée par des têtes d'érosion au niveau de la ville de Kamunga. Le gouverneur de province, Kabatusuila, a effectué une visite d'inspection pour constater et instruire les techniciens de l'office de voirie et drainage à entamer une intervention rapide. Il sollicite donc l'intervention du gouvernement central. Un reportage de Rodé Panda. Les dernières pluies tombées sur la ville de Kananga ont ouvert d'autres têtes d'érosion qui menacent la voie ferrée à 25 mètres de l'ancienne de Dikongai, jusqu'à laisser le rail suspendu à hauteur de 7 mètres sans support de terre. Et pourtant, les travaux de construction du collecteur entamés sur la route principale d'entrée et de sortie du quartier Dikongai pour drainer les eaux de pluie ont tenté de stopper la progression de cette érosion qui menace cette route. La voie ferrée menacée de coupure, les trains ne peuvent plus circuler sur ce tronçon jusqu'à Ilebo. Le trafic est donc perturbé. Le gouverneur du Kasaï central, Kabatusuila Mbuyamba, est arrivé sur le lieu pour une visite d'inspection. Devant l'ampleur débordante, le chef de l'exécutif a donné, séance tenante, des instructions au directeur de l'OVD pour une intervention rapide. Seul, il ne peut rien faire, mais avec l'appui du gouvernement central, la solution sera possible, a plaidé le gouverneur Kabatusuila. Pendant que nous sommes en train de corriger d'un côté, de l'autre côté, la pluie
nous menace. En cette période et en ce moment précis, aucun train ne peut passer, ne peut venir de Ilebo vers Kananga ou de Kananga vers Ilebo. Ce qui nous permet de nouveau à refaire notre plaidoyer auprès de qui de droit pour obtenir un fonds supplémentaire afin d'attaquer la partie qui est en train d'endommager notre voie ferrée. Donc nous sommes satisfaits d'un côté, non satisfaits de l'autre. Plus loin encore, le chef de quartier et la population se sont mobilisés pour enterrer avec des sacs de sable une partie de ces érosions afin de sauver leur milieu. Initiative encouragée par le numéro 1 du Kasaï central. Le gouvernement de la province du Congo central vient en aide aux sinistrés des dernières catastrophes survenues il y a quelques mois, en espace d'une semaine. Justin Luemba Makosso a remis des vivres sinistrés de la localité de Matamba Makanzi, ajouté à cela des matériels de construction. Reportage. C'est sous cette ambiance hors des communs que le gouverneur de province Justin Luemba Makosso, qu'accompagné le ministre national du tourisme, les députés nationaux et provinciaux ainsi que quelques membres du gouvernement provincial, a été salué par la population du village Matamba et Kukusengo dans les secteurs de la mer territoire de Mwanda. C'était à l'occasion de la remise d'un lot important de matériel de construction au sinistré de la pluie torrentielle du 19 février dernier. Il s'agit de milliers de tôles, du ciment, du bois, des clous, des charpentes, du plastica et des ballots de vêtements, mais également des vivres en quantité suffisante pour toute la population. Avant tout, je remercie les autorités qui m'accompagnent et pour leur réaction en faveur de la population. Le même remerciement sont adressés au général de la base de Kitona pour l'érection des tentes avant mon arrivée. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, je suis venu vous secourir tant soit peu le matériel de construction pour les 122 maisons détruites, y compris l'école et la maison pastorale. Seulement, j'insiste sur le partage équitable en vue de garantir la paix sociale. En appui au geste posé par le gouverneur de province, le ministre Modero Ntsimba, élu du coin, a remis $500 américains aux femmes sinistrées et 1 000 000 francs congolais pour la maison pastorale. Les honorables députés ne sont pas restés indifférents. 200 pailles en prévision du mois de mars dédiées à la femme. Pour la population bénéficiaire, scandale des crises et chants à l'honneur de Justin Luemba Makosso, surnommé l'étoile du matin, pour avoir traduit fidèlement la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord, cet acte restera inoubliable. Cela fait 4 ans que le chef-lieu du territoire de Cabinda, de la cité de Cabinda, a été délocalisé vers Kamende. Jadis, une mission catholique et commerciale du groupement Bakwa Kanyeba. Des innovations ont été enregistrées selon l'administrateur du territoire de Cabinda, qui pense que les défis à relever sont nombreux pour le développement de son territoire. Reportage. Aux environs de 13h20, que le gouverneur de province Edouard Molumba Moudandambou était arrivé à Kamende pour célébrer ensemble avec la population de ce coin le 4e anniversaire du chef-lieu du territoire de Cabinda depuis sa délocalisation de Cabinda vers Kamende le 28 février 2018. Accompagné de quelques ministres provinciaux, les membres du comité provincial de sécurité ainsi que les membres de son cabinet, la forte délégation du gouverneur a été accueillie à l'entrée de Kamende par l'administrateur du territoire de Cabinda, Kabeya Mignela, et toute la notabilité de ce point au niveau de la paroisse Saint-Paul Kamende. Arrivé au lieu de la cérémonie, les bâtiments administratifs du territoire, l'administrateur du territoire Kabeya Mignela, qui a présenté les mots de bienvenue à ses hôtes, a profité de cette occasion pour retracer les difficultés énormes qui traversent ces nouveaux chefs-lieux du territoire. Pour sa part, le gouverneur de province Edouard Molumba Moudandambou a invité tout le monde de déférer les efforts pour la construction du nouveau chef-lieu du territoire de Cabinda, tout en appelant la population de ces coins de la province à voter massivement en 2023 le fils digne et ressortissant du Grand Kassai, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ce qui lui permettra d'assurer l'élan à travers le projet de développement à la base des 145 territoires dont le territoire de Cabinda en fait partie. Je vous convie à travailler, à garder la paix, l'unité, la concorde, car sans cela, le territoire ne peut se développer.
Et puis l'écriture au bénéfice de la paix, l'élu de Goma Josué Mafoulou a présidé au lancement de la deuxième édition du concours de poésie sur la paix, un concours qui rassemble plusieurs écoles de cette ville. Images et commentaires. Son arrivée à Goma, sa ville natale et son fief électoral, l'honorable José Mufula, accompagné des opérateurs culturels de la province du Nord Kivu, Johnson Ishara et Akram Tonsifu, de la coordinatrice de la fondation FJM ainsi que d'autres membres de cette fondation, a procédé ce lundi au lancement du grand concours interscolaire de poésie sur la paix. Ce concours, qui vise à la fois l'initiation des élèves à l'écriture littéraire et à cultiver l'esprit de paix, n'est pas une première. C'est plutôt la deuxième édition après le concours littéraire qui avait occasionné le sponsoring par la FJM du recueil collectif intitulé « Les larmes ensanglantées au Kivu », une œuvre publiée aux éditions Mediaspol de Kinshasa. Très rare. Ce concours, nous sommes en train de lancer la deuxième édition qui s'appelle « Concours de poésie sur la paix à l'Est ». En vue d'encourager les jeunes à la culture de la lecture et de l'écriture, ce concours-là c'était pour initier les jeunes gens et créer de l'émulation. Très ravi de cette belle nouvelle qui va faire dénicher plusieurs bonnes plumes et qui va donner l'occasion à plusieurs d'obtenir des bourses d'études et tant d'autres cadeaux spéciaux, les élèves des plus de 60 écoles où ont sillonné les membres de la Fondation José Mufula n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Et puis le Fonds monétaire international soutient le montage budgétaire de la RDC, exercice 2022. Un échange technique a eu lieu entre le ministre d'État au budget, Aimé Bouji, et la délégation du FMI. Un reportage de Ricky Nzunzi et Hervé Mbanga. C'est insatisfait qu'exprime le Fonds monétaire international en faveur de la loi des finances 2022, montée par la République démocratique du Congo et promulguée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une position positive donnée au cours des échanges techniques entre le ministre d'État du budget Meboji Sangara, son vice-ministre Élisée Bokoumouana et la délégation du FMI, conduite à Kinshasa par Mercedes Vera Martin. Les deux parties ont eu des discussions détaillées même sur les procédures budgétaires ainsi que les réformes. La mission note une nette amélioration des recettes en termes de projections. Une hausse rendue possible grâce aux inputs issus du Parlement qui vont permettre le financement additionnel des investissements publics dans notre pays. Nous sommes ici dans une visite technique qui nous permettra une discussion sur la perspective économique en 2022 et à moyen terme. Ça nous permettra une meilleure préparation pour une visite qu'on va voir dans le contexte de la consultation de l'article 4 et la 12e revue du programme FEC dans le mois d'avril. Dans la foulée, le FMI a salué et encouragé les performances du gouvernement Samalou Kondé à travers le Warrior Budget, Boji Sangara. Suivez à présent les activités du ministre de l'économie dans la province du Maniema. Après Kindu, où il a communié avec la population locale qui lui avait réservé un accueil chaleureux, le ministre de l'économie nationale a pris la direction de Kalima, dans le territoire de Pangui. Jean-Marie Kalumba et sa délégation ont dû emprunter des pirogues motorisées afin de traverser le fleuve Congo de la commune de Kasavubu vers celle de Alungouli. Sur place, ce notable du Maniema a eu droit à un accueil digne de son rang, lui réservé par les représentants de la communauté Léga. Heureux de retrouver leur seul fils au sein du gouvernement Samalou Kondé, ils ont saisi l'occasion pour lui soumettre leurs doléances contenues dans un mémorandum. Tradition respectée, le ministre de l'économie nationale a eu droit à des présents de la part de sa communauté. Dans la commune rurale de Kalima, dans le territoire de Pangui, la population est fortement mobilisée pour accueillir le digne fils du terroir. Après plus de 2 heures de route, dans des conditions parfois difficiles à cause de la dégradation de la voie routière, le ministre Jean-Marie Kalumba Yuma est arrivé en fin d'après-midi à Kalima,
où il s'est offert une marée humaine qui l'accompagnait jusqu'à la tribune. Occasion pour les autorités locales et la population de lui présenter leurs mots de bienvenue avant de lui soumettre leurs doléances. Parmi celles-ci, il y a le désenclavement, la construction des infrastructures de base, dont les écoles et les hôpitaux, la relance de la société Sakima, sans oublier l'accès à l'eau et à l'électricité. Dans son discours, Jean-Marie Kalumba Yuma a promis de transmettre ses doléances au chef de l'État et au gouvernement pour des solutions idoines. Le ministre Jean-Marie Kalumba Yuma a rassuré les habitants de Pangui de la volonté et la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'améliorer leurs conditions sociales grâce au projet de développement de 145 territoires. Un reportage de Sandra Nyangui, puis le ministre provincial de l'Intérieur, Tengue Telito, a échangé avec ses administrés des communes de Barumbu et Kinshasa, ainsi que leurs chefs de quartier. Le respect des textes légaux relatifs, entre autres, à l'assainissement de la ville et à la lutte contre le banditisme urbain ont fait l'objet de ces échanges. Luzène Sakala, Jean-René Kabamba pour le reportage. La problématique des épaves sur la voie publique, l'insalubrité, la nuisance sonore, le banditisme urbain et l'insécurité, la responsabilisation des autorités locales, c'est l'essentiel à retenir de la rencontre du ministre provincial de l'Intérieur avec les bourgmestres de Kinshasa et de Barumbu, ainsi que leurs chefs de quartier et les commandants des sous-commissariats de police. Tengue Telito pense qu'il faut redoubler d'efforts pour une ville de Kinshasa qui offre davantage les garanties en termes de sécurité et d'attrait. Dans le cas de vérification de l'exécution des instructions telles que voulues par la très haute hiérarchie, la voie publique ne doit plus être un lieu de négoce. Bref, c'est l'application des textes et lois de la République dans le cadre de la restauration de l'ordre public et de son maintien. Ça passe par évidemment par l'application de 5 textes. Vous avez l'édit 003 du 9 septembre 2013 qui portant protection de l'environnement et l'assainissement de la ville de Kinshasa. L'édit 005 du 9 octobre 2012 sanctionnant les nuisances sonores. Vous avez l'ordonnance loi du 31 mai 1975 qui réglemente les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons dans la ville de, dans la République démocratique du Congo, mais notamment qui stipule l'heure à laquelle les boissons alcoolisées peuvent être vendues et consommées. Et vous avez le décret du mai 2014 qui lui en fait donne l'autorisation seulement aux églises d'utiliser les instruments sonores lorsqu'ils veulent les utiliser tous les jours que de 9h à 15h. Comme il l'avait souligné dans un passé récent, le ministre a rappelé que les instructions données par l'autorité urbaine doivent être de stricte application car après tout, l'État ne se plaint pas, mais il agit. Les tsunamis de femmes de distinction, c'est une nouvelle structure dans le combat pour la promotion de la jeune fille. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, a répondu présente au lancement de ses activités. Cédric Kenina. Elle porte une mission régalienne, celle d'accompagner, disons, promouvoir la jeune fille. C'est justement dans cette logique que la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, a procédé au lancement des activités de l'ONGD, les Tsunamites, femmes de distinction. La patronne du genre a fait une mention spéciale sur l'engagement de cette tranche d'âge. C'est une structure qui a un fondement, met au centre de tout la parole de Dieu. Alors, c'est comme ça que je souhaite pour les accompagner et faire voir aux jeunes filles qu'elles sont l'avenir de demain. Aujourd'hui, elles sont jeunes filles, demain, elles seront demain. C'est la base, elles ont vraiment une très bonne base et un bon fondement. Moi, je crois que nous pourrons espérer pour l'avenir. Dans un autre chapitre, les organisations de la société civile et les acteurs politiques ont signé un acte d'engagement pour la promotion de la parité homme-femme. C'était en présence de partenaires, mais aussi sous l'œil admiratif de la ministre du Genre, Enfants et Familles et du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je passe la main à Séverine Katanda pour la grande édition du journal télévisé de 20h. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Au revoir.